Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Voilà, je fais cette petite vidéo simplement pour partager une info que je viens de recevoir. On est le 20 avril 2018, il est 14h15 et donc je viens d'apprendre qu'il y a eu un souci de distribution de sujets au concours de l'école polytechnique dans un centre d'écrit du concours de l'école polytechnique, une épreuve de maths qui était une épreuve B, donc pour le jeudi matin, qui a été distribué à certains candidats le mercredi matin, c'est ce que vient de reconnaître le directeur de concours de l'école polytechnique Michel Gonin, dont j'ai le mail ici. Donc ça veut dire que cette épreuve va être rattrapée. La meilleure solution, la moins mauvaise qu'a trouvé l'école polytechnique, c'est de reporter cette épreuve apparemment au 1er mai, ça risque d'être confirmé. Alors, on peut se réjouir du fait que l'erreur soit rattrapée pour qu'il y ait équité pour tout le monde. Maintenant, le 1er mai, c'est très embêtant. C'est au milieu du concours CCP. Donc, ça veut dire que certains candidats ne bénéficieront pas du temps de repos de leurs camarades qui ne repasseront pas cette épreuve. En plus, c'est le cas des étudiants du lycée Wallon de Valenciennes. Il n'y a pas de centre d'examen à Valenciennes. Il faut aller à Lille. Des frais supplémentaires, de la fatigue supplémentaire. Donc voilà, c'est pas marrant. En tout cas, je pense qu'il va falloir faire avec. Et donc, je souhaite un bon courage à tous les candidats qui sont concernés par ce report d'épreuve. Si vous avez plus d'infos, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous donne le maximum d'infos que j'ai. Donc apparemment, je pense que ça ne concerne que la filière MP, puisque la filière PC n'avait pas d'épreuve de maths jeudi matin, mais le communiqué du concours n'est pas explicite à ce niveau-là. On se demande s'il n'y a que la filière MP qui passe le concours de l'école polytechnique. Bref, allez, on va pas être trop polémique. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. En tout cas, bon courage à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Et ça, c'est vraiment super. Ça me fait plaisir d'être utile et puis de participer à la réussite de chacun. Allez, à bientôt. On se retrouve pour des conseils, pour des oraux. Et puis, je vais également, je pense, corriger un certain nombre d'épreuves dans les concours, dans les jours qui viennent, comme j'ai fait l'année dernière. Donc, on se donne rendez-vous très bientôt. Bon courage à chacun, malgré la chaleur.